L'Agence nationale de lutte anti-acridienne a organisé du 11 au 16 septembre dernier à Abéché un atelier national de formation sur les techniques de pulvérisation en UBV. UBV, c'est ultra bas volume. Pendant 6 jours, toutes les techniques de lutte contre les ravageurs de culture ont été passées au peigne fin, sous les Mandiabo. L'Agence nationale de lutte anti-acridienne est en alerte. Déjà, des dispositions nécessaires sont prises pour faire face à toute éventuelle apparition des ennemis des cultures dans les pays. L'atelier de formation sur les techniques de lutte anti-acridienne tenu à Abéché fait partie de ces dispositions. Il est organisé grâce à l'appui de la Commission de lutte contre les criquets pèlerins en région occidentale et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO. Cette formation permettra aux 8 agents de l'ANLA de bien maîtriser le déroulement des opérations de lutte, la pulvérisation en UBV, entendez ultra bas volume, et le processus de lutte. Des orientations claires ont été données aux bénéficiaires de cette formation par le directeur général de l'Agence nationale de lutte anti-acridienne, Adou Mahamad Toli. Le préfet du département de Ouara, Haroun Tchong Tchong, représentant du gouverneur de la région du Wadaï, évoque la fragilité des écosystèmes pour expliquer les récurrentes invasions des criquets pèlerins au Tchad. À cette occasion, plus de 1000 litres des produits de lutte contre les ennemis des cultures ont été remis à la base phytosanitaire de la région du Wadaï et du Sila. Ces produits, selon le chef de la base phytosanitaire du Wadaï, Mohamed Hassan Ali, vise à mener une lutte anti-acridienne respectueuse de la santé humaine et de l'environnement. Lancement hier dans la sous-préfecture de Gama des activités du groupement Barema pour le développement. C'est dans la région de Hadjar Lamis. Kalianga Voutna. Cette ambiance inédite à la tribune des fêtes d'Ingama marque le lancement officiel des activités du groupement Barema pour le développement de cette localité. Lequel groupement qui s'est fixé comme objectif de contribuer au développement socio-économique de la sous-préfecture d'Ingama pour l'intérêt de la population. Le groupement Barema pour le développement est une initiative de jeunes, femmes et personnes âgées issues de différentes couches sociales. Ce groupement a pour objectif de promouvoir l'agriculture et l'élevage, de protéger l'environnement, d'assister les personnes vulnérables, de lutter contre les diverses maladies, les mariages précoces et forcés, de lutter contre la pauvreté et le chômage. Le maire de la commune d'Ingama indique qu'il ne doute pas du rôle important que ce groupement va jouer pour le développement de sa commune. Il est important de rappeler que la population de la sous-préfecture d'Ingama a rencontré d'énormes difficultés dans le passé. Et je suis rassuré qu'avec ce jeune groupement Barema pour le développement et l'appui de ses partenaires, la ville d'Ingama aura sans nul doute une nouvelle image. Pour saluer cette initiative, le maire de la ville d'Ingama a octroyé officiellement un terrain pour la construction du siège du groupement Barema. Les membres du groupement Barema ont à cette occasion décerné un certificat de reconnaissance au chef de canton Borno Gombo Dungus pour son soutien au groupement. Juste après la cérémonie, les membres du groupement Barema ont visité le champ du dit groupement. Un champ de plus de 10 hectares où l'on y trouve diverses espèces de céréales. Un atelier de formation sur le maintien de la paix et la sécurité est organisé ce matin à N'Djamena. Policiers, militaires et gendarmes prennent part à cette formation organisée par le ministère des Affaires étrangères en collaboration avec l'école de maintien de la paix de Bamako. Aman Isaac Azina. 50 civils, policiers, militaires et gendarmes sont à l'école du savoir. Cet atelier de formation a pour objectif de renforcer davantage leurs capacités en matière de sécurité. C'est un stage en connaissances fondamentales des opérations de soutien à la paix, rendu possible grâce à l'appui du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la coopération internationale, en collaboration avec les instructeurs de l'école de maintien de la paix de Bamako. Qu'il me soit permis de remercier les partenaires financiers de l'EMP, notamment la République fédérale d'Allemagne, pour toutes les dispositions prises
pour la réussite du stage qui se tient aujourd'hui dans des conditions favorables. Dès sa création en 1999 en République de Côte d'Ivoire, puis son transfert en 2002 à Bamako en République du Mali, l'école de maintien de la paix a formé plusieurs officiers et civils des pays africains. Cet atelier de formation témoigne de l'intérêt commun qu'entretiennent les deux pays en matière de paix et de sécurité sur le continent. Parlons 7e art. Safia, c'est le titre du nouveau film d'André Dionlard, un long métrage où il est question des méfaits du mariage précoce. Le film a été projeté en avant-première dans la salle de conférence du ministère des Affaires étrangères. Ali Mohamed Bello. La grande salle du ministère des Affaires étrangères et de l'intégration africaine a fait son plein d'œuf ce samedi. Concentré devant cet écran, tous ces bons mondes suivent les films d'André Dionlard, intitulé Safia. Dans ce film, les réalisateurs retracent la vie mélancolique de la petite Safia, l'actrice principale. Âgée de 13 ans, Safia fut donnée en mariage à un vieux père, une cinquantaine bien sonnée. Après quelques mois, elle tombe enceinte. Vu son jeune âge, la petite Safia aura toutes les difficultés pour mettre au monde. Et de là intervient donc la fistule obstétricale. Safia est désormais malade de la fistule. Rejetée par les siens, son mari et sa famille, Safia ne sait où aller. À travers ce film, le réalisateur met en exergue les conséquences qui découlent du mariage des enfants. Une manière pour lui de lutter contre ces phénomènes. Bon, j'ai des enfants, j'ai des filles, je vois d'autres filles, des autres personnes mariées à bas âge, qui les empêchent de continuer les études. Or, moi, dans mes œuvres artistiques, je fais beaucoup plus de la sensibilisation quand j'ai le temps. Et voilà, à travers ce film, j'ai voulu dire tout simplement stop au mariage des enfants. C'est un film de 58 minutes. Comme ce phénomène va grandissant dans les campagnes, les réalisateurs souhaitent que ce film fera écho dans les fonds villages. La place de la fille est selon lui à l'école et non dans les foyers. Avant de nous séparer, la lecture d'un communiqué émanant du SINAPOR. Le SINAPOR, c'est le syndicat national des professionnels de radiodiffusion et de télévision du Tchad. Le syndicat national des professionnels de radiodiffusion et télévision du Tchad, SINAPOR, décide de suspendre pour 3 jours la grève lancée le 14 septembre 2017 à compter du lundi 18 au mercredi 21 septembre 2017. Cette décision est consécutive à la rencontre du bureau exécutif national du SINAPOR le dimanche 17 septembre 2017 avec le Premier ministre chef du gouvernement qui a pris un engagement ferme de résoudre d'une part le problème de salaire des agents dans un délai de 48 heures et d'autre part la question des nouveaux organes de la radio et de la télé dans un bref délai. Excusez-moi. La prochaine assemblée générale aura lieu le jeudi 22 septembre 2017 à 9h précise à la Bourse de Travail. Le bureau demande à tous les camarades de rester solidaire et vigilant. Fait à N'Djamena le 18 septembre 2017 pour l'Assemblée générale signée la présidente Remadi Ngaradoumbaï Adel. Voilà, mesdames et messieurs, ici s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur Télé-Tchad.